Bon, alors quand je suis arrivé à Bordeaux, pour faire simple, il a fallu s'imposer, donc je suis passé par l'office du tourisme et après rapidement est né l'auto-entrepreneuriat. Maintenant micro-entrepreneur, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'étais un des premiers à m'inscrire avec d'autres collègues. À l'époque, je rentrais aussi à l'AGICA, l'Association des guides interprètes et conférenciers, devenue ANIA, Association des guides de la Nouvelle-Aquitaine. Même si leur site AGICA, bon, c'est un nom déposé, c'est un peu compliqué à enlever sur le web. Mais toujours est-il que j'ai développé un peu en concomitant ces deux activités, sachant très bien que à un moment, il faut choisir. Et j'ai plutôt opté, moi, pour le travail avec l'Office du tourisme, qui a proposé plus de travail que je ne pouvais développer rapidement avec l'auto-entrepreneuriat. Mais j'en fais toujours, oui, mais c'est des groupes ou des gens qui me redemandent chaque année. Alors bon, mais j'accepte volontiers. Les lieux où j'exerce, c'est Bordeaux, hein, suivant des sujets, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la soirée. Et puis surtout, Arcachon, Blaye, Bourg, Saint-Émilion, bien évidemment. Hein. Très peu en Dordogne, j'ai fait deux fois seulement, alors que j'avais été formé au départ dessus, mais bon, ça remonte maintenant. Donc voilà un petit peu près l'activité. Et comme structure, je suis tout seul, puisque entrepreneur en général, bon. Il y a très peu de collègues, je crois qu'il y en a une, Bordeaux Walking Tour, qui emploie d'autres guides, mais c'est très très rare en général. Voilà, c'est un métier où on est un petit peu tout seul, solitaire. Même en étant rattaché à l'office de tourisme. Ah oui, alors on peut travailler en équipe, mais la mission, c'est notre mission. Donc au final, bon, sauf sur les gros, sur l'événementiel, où là on a plusieurs groupes, donc on se partage les groupes. D'ailleurs, avec un peu de chance, qu'on n'avait pas envie de travailler, c'est très bien d'être mis dessus parce qu'en général, il y avait moins de monde qui se présentait. Donc, au final, il y en avait un ou deux qui partaient chez lui payés. C'est pas mal. Bon, c'est une histoire. Voilà. Sinon, le métier a les mêmes caractéristiques que pour n'importe quel guide. Qu'on se travaille pour un office tourisme ou pour en individuel, on doit avoir un bon contact avec le public. On se doit évidemment d'être présent à l'heure si possible. Pas toujours évident, ça dépend où on va les chercher, puisqu'au final on peut aller chercher aussi bien en centre-ville, à leur hôtel, comme aller chercher à proximité de l'aéroport de Mérignac dans un hôtel très très éloigné, quoi. Donc il faut prévoir le temps de transport, voilà, et des longues journées. En général, il faut savoir que ça ne finit jamais à l'heure. En général, on a toujours une demi-heure ou une heure de retard au retour, notamment quand on fait Bourg-Blaye. Alors là, c'est un peu la cata, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors oui, moi je n'étais pas vraiment appelé à faire ce métier, puisqu'au final, bon, déjà j'avais fait un bac B économie, hein, donc il n'y a pas de. Et puis j'ai été récupéré par l'âge pour le service militaire. Alors je vais faire dans la communication, je crois que c'était à La Rochelle. Voilà. Petite IUT. Donc j'y suis allé. Hein. Il s'est avéré qu'au final, je suis rentré dans la gendarmerie comme ça. Voilà. Et qu'au final, c'était bien payé, hein, pour rester poli. Donc voilà, après quelques temps passés là-bas, premièrement, comme je n'avais pas eu mon bac, voilà, c'est pour ça que j'avais préféré devancer un petit peu l'appel, puisqu'à l'époque c'était obligatoire, il y a un an encore, à l'époque. J'ai profité pour passer mon bac en candidat libre chez moi, à Périgueux. Donc, comme j'ai déjà raconté, quand je vous avais au téléphone, mais bon, ça va faire quelques-uns, j'y suis allé habillé en gendarme, quoi, avec le pétard au côté, et j'ai passé mon oral d'anglais. Je crois 1 minute ça a duré, puisqu'elle a cru que je venais pour lui dire que sa voiture avait été volée. Je lui ai dit non, non, tout va bien, c'est juste passé pour l'oral. J'ai dit un mot et je l'avais, quoi. Voilà, donc oui, j'ai jamais été doué beaucoup en langue. Donc, bon, après la période de gendarmerie, évidemment, où je me suis un petit peu ennuyé ferme quand même à la fin, pour ce qu'on disait, c'était parce que ça m'intéressait pas vraiment.
À la limite, c'était presque, je pourrais dire maintenant que c'est presque un job alimentaire. Bon, une autre histoire. Et donc, me voici en train de reprendre ce à quoi a poussé ma passion, c'était les études d'histoire. Donc, j'avais déjà commencé avant la fin de la période, hein, j'en m'étais aménagé des temps, j'avais commencé à voir si je pouvais me rester à la fac et ce que vous voulez faire. Je n'étais pas le seul à quitter d'ailleurs, la jeune génération à ce moment-là, dans le boulot. Et donc, ben, je suis allé à la fac à Bordeaux, donc j'ai fait histoire. Ben, le circuit classique. Ensuite, ben, comme j'étais d'origine sarlaise, ma grand-mère habitait Sarlat, ma famille était bien implantée à Sarlat, j'avais mon grand-oncle qui a été conseiller général, premier adjoint au maire, j'avais les amis de la famille, il y en a un qui était président du tribunal du commerce de Sarlat, l'autre qui était directeur de l'hôpital de Sarlat. Enfin bon, bref, pour faire simple, c'était un peu la famille avec les petites ficelles qui tiraient un peu tout ce qu'il fallait à l'époque à Sarlat, dans les années 80 encore, fin jusqu'au début 80. Eh bien, à ce moment-là, j'ai décidé de faire ma maîtrise sur Sarlat, surprise. Donc, moi, j'y suis allé tranquillou, hein, il y avait de quoi me loger même l'été, hein. J'ai passé un mois à taper, d'ailleurs, tranquillement, au bord de la piscine avec Castelnau en vue. C'est pas mal, le château, hein. C'est pas mal. Voilà, enfin, bon, bref, très dur comme. Comme boulot. Et après, ben, il fallait faire quelque chose de son histoire. Hein. Bon. Donc, comme j'étais périgourdin, j'aime bien ma région, j'y suis attaché toujours d'ailleurs. Je suis retourné à Périgueux et avant même comment dire, d'avoir vraiment fini les études, pour mettre un peu la main à la pâte, j'avais demandé à la Sémitour à l'époque si je pouvais travailler pour. Alors, au début, j'ai fait un stage. Sémitour, Société d'économie mixte du tourisme. Elle existe toujours, même si elle a perdu pas mal de choses. Hein. Je gère toujours le cloître de Cadouin à visiter, si vous n'avez pas fait, le château de Bourdelle où je travaillais, le château de Puyguem, ça a été pris par l'État, donc ça c'est encore une autre histoire. Enfin bon, bref, pas mal d'autres sites, et notamment l'abri Patou. Alors moi j'avais demandé benoîtement ben, quelque chose dans l'histoire, et surprise, j'ai débuté par l'abri Patou, la préhistoire. Bon, ça commençait bien, je me suis dit bon, c'est pas grave, on s'adapte. Donc je suis allé un peu la gueule enfarinée pour rester poli, voir celui qui chargeait du site, qui travaillait à l'époque, ben, qui est toujours là, hein, je crois qu'il s'en occupe pour les musées de l'homme, qui chapeautait l'ensemble. Et donc je lui dis, ben, je ne connais pas grand-chose en préhistoire. Donc il me dit, il n'y a pas de souci, si tu peux être logé une semaine là-bas, je te donne des cours particuliers, tu viens passer 2 jours, je vais te former, tu seras complet. Alors j'ai accepté volontiers, les églises sympas l'été. Hein. Donc hop, j'y suis allé. Et donc, c'est ainsi que j'ai débuté comme guide, mais je n'avais pas la carte. Donc, bon, après, le stage se finit, c'est bien, mais il faut manger quand même. Donc, je vais à la bibliothèque. J'avais posé un CV, évidemment. La bibliothèque était intéressée par mon profil. Donc, on me met d'office dans le fonds Périgord. Voilà, donc remplacement, là aussi, hein, voilà. Mais malheureusement, la personne est revenue, donc j'ai pas pu rester sur place là-bas. Et donc après, ben, comme le directeur de l'époque avait sa femme qui était aux archives départementales, je suis passé aux archives départementales, n'est-ce pas? Donc, là, il faut, voilà. Donc, on parle du réseau, c'est vraiment un réseau. Et donc, j'ai travaillé aux archives départementales. Maman, j'avais fait des recherches sur la famille. Bon. Bref, j'ai fait ça quelques temps, avec notamment un retour à l'abri Patou, mais payé cette fois-ci. Mais tout était précaire. Alors, je me suis dit, à un moment donné, ben, il faut quand même que ça stabilise un petit peu. Et donc, que faire? Alors, j'avais une formation. Et cette formation était à Périgueux, ça tombait bien. Mes parents étaient à Périgueux. Et j'ai donc fait la formation, là où il y avait autrefois l'ancienne école normale. Et donc, j'ai passé mon diplôme à l'époque de guide interprète national. Alors, c'était pour le diplôme, hein. Franchement, de vous à moi, les langues, je m'en tape, mais alors le coquillard profondément. Mais par contre, il fallait un diplôme pour être crédible dans l'exercice de ce métier. Donc, j'ai passé le diplôme. Et alors, c'est là où j'ai découvert que, avec tous mes, comment dire, mon cursus à la fac de Bordeaux, eh bien, il me manquait un UV en archéologie pour être diplômé d'office. Donc, j'ai fait une année pour un peu chocolat. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a remis un peu aux langues que j'ai tout de suite oublié. Le seul regret, c'est pour l'allemand. L'allemand, je l'ai perdu parce que j'avais personne pour l'entretenir. Ça m'aurait intéressé de la garder. L'anglais, bon, là, c'était un peu trop tendu, ça pouvait. Et donc, après avoir le diplôme, j'ai travaillé de nouveau chez moi. Donc, j'ai fait un peu de Bourdeigne, un peu de Puyguem, retour à la case départ. Ensuite, je suis allé au château de Fénelon. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Fénelon. Je sais pas. Fénelon, au sud de Sarlat. Voilà, donc très, très agréable. J'avais une petite tour médiévale où j'étais logé. Voilà, c'était génial parce que, bon, évidemment, ça venait un peu loin. Hein, puis, c'était pas évident à trouver logement à l'époque là-bas. Et donc, je me levais le matin et j'avais la vallée de la Dordogne. Je sirotais mon petit café sur la terrasse en attendant les touristes.
C'était nickel. Et donc, ça a duré 9 mois. Ensuite, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus long, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai entendu la personne qui est passée tout à l'heure. J'avais envoyé aussi pas mal de CV. Je vois passer une annonce pour la Bourgogne, comme quoi la Bourgogne. Et donc, je suis allé en Bourgogne pendant 2 ans et demi. Je travaillais en 6 francs. En 6 francs. Alors là aussi, château classé monument historique. En fait, pour tout vous dire, je n'ai fait qu'à peu près que du monument historique, puisque comme mon axe n'était pas les langues, je m'en foutais royalement. Donc bon, le reste compensait largement pour les monuments historiques. Bon, donc j'ai fait ceci, les monuments historiques. Donc va pour en 6 francs. Mais bon, comme a été dit aussi tout à l'heure, la Bourgogne, c'est la Bourgogne. Il fait très froid, hein, je peux vous le dire, hein, l'hiver, ça pèle. Et si vous n'avez pas des bons pneus, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres pour aller chercher vos. Bon, une triste histoire, je vais avoir plusieurs fois comme ça. Et puis à la fin, j'en avais un peu marre, donc je suis rapatrié en Dordogne. Voilà, c'était en 2005, ouais, c'est ça, début 2004, où j'ai retravaillé, bon, après tout, on ne change pas une équipe qui gagne, pour la semi-tour, évidemment, Bourdais puis Guillaume, voilà. Pas d'abri, pas tout cette fois. Et donc, après, c'était toujours précaire. Donc, il a fallu trouver autre chose et j'ai tenté Bordeaux. Alors, j'y suis allé pour deux raisons. Je m'étais intéressé, j'avais passé mes études là-bas, j'avais été à Bouliac pendant pas mal d'années pour cause et à gendarmerie là-bas. Et donc, à ce moment-là, je connaissais un petit peu la région. Ensuite, je me disais, je me tenais au courant et Bordeaux montait. C'était l'époque où Bordeaux avait. On était parti de la. Ah, zut! La Belle Endormie, voilà, je cherchais le terme, la Belle Endormie, et puis les travaux avaient été faits, les quais commençaient à être aménagés sérieusement, ça montait en gamme, les prix gonflaient, etc. Je lui ai dit, c'est le bon moment d'y aller, le tourisme va monter aussi. J'avais aussi vu que Bordeaux allait devenir ville d'art et d'histoire, ce qu'elle a été avant d'être classée UNESCO. Donc, je suis arrivé en 2006 et j'ai travaillé en 2007. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé principalement pour l'office, car petit à petit, j'ai grappillé par les échelons, on va dire. Enfin, j'ai su m'imposer à minima, voilà, parce qu'il y avait déjà la concurrence, les gens étaient là. Donc, en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis inscrit en auto, qui était pour développer l'activité qui n'était pas suffisante pour l'office du tourisme. Et à un moment donné, j'ai pas pu faire les deux. Il a fallu sacrifier un peu l'auto pour l'office du tourisme. Bon, maintenant, ça va être un peu des plus difficiles. Le contrat n'est pas énorme, même si j'en ai obtenu un en CDI. Bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Toujours est-il que il a fallu se démarquer des collègues. Et donc, le moyen de se démarquer des collègues, c'était tout simplement de faire des visites originales. Alors, comme moi, j'ai toujours bien aimé un peu ce qui est spectacle, comme j'aime bien fouiller, gratter, hein, j'ai toujours bien aimé voir ce qui ne va pas. Hein, donc, quand je faisais des enquêtes, c'était chez les gens, pour les confondre à la limite. Quand c'était des monuments historiques, voir ce qu'il y avait derrière. Donc, je me suis intéressé à des personnages qui étaient emblématiques d'une certaine époque, et j'ai recréé leur vie et je faisais leur parcours au sein de Bordeaux. Alors, bon, évidemment, il fallait un petit plus. Alors, j'ai eu l'idée parce que j'avais fait ça déjà une fois, je crois, en Bourgogne, une fois où j'avais interprété Antoine de Clermont-Tonnerre, le créateur du château. Mais ça remontait. Et donc, j'ai repris l'idée et je me suis déguisé pour interpréter les personnages. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait faire leur généalogie. L'environnement dans lequel ils ont vécu, les actes qui formataient un peu leur métier, si besoin était, ceux avec qui ils étaient en relation, etc. Donc, comme il fallait trouver un personnage qui sortait un peu ordinaire, j'ai commencé par faire, à la demande d'ailleurs de Philippe Prévost, qui va bientôt partir à la retraite, semble-t-il, hein, il a à l'office touriste, j'ai fait le bourreau de Bordeaux, voilà, celui qui mettait les gens à mort. Voilà. Ça a bien marché, hein, c'était un grand succès, les gens aiment bien. Bien, ce qui est un peu glauque, de toute façon. Et donc, je passe toujours, quand je le fais, par les quatre places où on fouettait les gens, voilà, on écartelait, rouait, pour les deux places, on mettait à mort, enfin bon, bref, c'est l'histoire. Et après, j'ai enchaîné avec les personnages. Actuellement, je dois en être au 13e ou 14e personnage interprété. Le dernier étant un policier de la sûreté qui s'est occupé de gérer les prostituées et les cercles. Donc, quelqu'un de très sympathique, évidemment, et qui en a beaucoup à dire, notamment des choses ignobles. Mais j'ai remarqué souvent qu'on peut dire des choses vraies, qu'on peut comparer avec aujourd'hui, toute ressemblance confondue, évidemment, sur certains thèmes, mais si on le fait dire par un personnage. Je peux me permettre de dire des choses horribles, qui sont vraies encore, mais d'une certaine manière seulement dans notre société. Mais c'est le personnage qui part, ça c'est pratique, hein, parce que sinon il y a des choses qui ne passeraient pas, vraiment. Enfin, une autre histoire aussi. Et donc voilà, c'est un peu ma spécialité.
Et donc, ben, c'est ce que je fais encore. Là, j'essaie de trouver pour la saison, j'espère qu'il va reprendre. Autre chose, on m'a demandé, d'ailleurs, l'office m'a demandé, mais j'avais pensé une histoire de la médecine à Bordeaux. J'avais déjà fait le médecin de peste. Bon, j'avais déjà fait, à la demande d'ailleurs de l'Université de Bordeaux, un petit historique sur justement les alentours de la place de la Victoire, voilà, parce qu'il y avait la faculté, etc. Donc bon, pourquoi pas? Donc je suis en train de voir un petit peu, et puis bon, ben, pour garder la main, comme c'est pas glorieux, enfin bon, là j'ai une autre visite supplémentaire, donc je travaille un peu cette semaine quand même, ben, je m'enquière toujours de la généalogie de personnes que j'ai traitées, voir si j'ai des nouvelles choses sur elles, puis j'aime bien faire quelques articles aussi, j'en ai publié quelques-uns, je suis passé quelquefois un peu à France Bleu, je suis passé aussi à FR3 une fois ou deux sur une chaîne nationale, je crois. On ne voyait pas trop. Donc, c'était juste, on m'entendait surtout parler. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je fais. Voilà. Après, le métier, il ne faut pas se cacher, n'est pas facile, n'est pas évident. Il faut avoir les reins solides. Hein. Déjà, gérer le budget toute l'année. Hein. S'il y en a qui espèrent, parce qu'ils ont gagné beaucoup un mois, pouvoir faire des folies, attention, danger. Hein. Voilà. C'est 12 mois une année. Hein. Bon, voilà, donc, il y a les hauts et les pics, et puis il y a les très bas, notamment en hiver, ce qui est logique, et en janvier. C'est moi les plus calmes, entre guillemets. Donc, un métier pas facile. Bon, il faut avoir un bon contact avec le public, évidemment, ou vous devez obligatoirement ben, vous plier un peu au client, mais sans trop vous y plier quand même, hein, parce que quelquefois, le client, si on l'écoute, il nous fait n'importe quoi, hein, et ça part un peu dans tous les sens. Théoriquement, je ne fais pas les circuits, mais bon, quand j'ai des gens qui me demandent ce qu'il faut faire, ben, je fais le circuit, donc, mais je ne suis pas agent de voyage. Hein, voilà. Donc, je fais pas des circuits. Je fais en sorte qu'ils suivent le circuit que je leur propose. Voilà. C'est plus simple à dire comme ceci. Et au final, eh bien, je suis la preuve qu'on peut exercer le métier sans parler de langue étrangère. Alors, je sais, ça va choquer beaucoup, mais si vous regardez les stats du tourisme, d'ailleurs, il y en a qui savent mieux que moi, hein, voilà, la proportion d'anglais par rapport à nos touristes, c'est ça. Si vous rajoutez les Espagnols, etc., vous devez atteindre à 25-26%. Il y a des villes très, très ouvertes sur l'extérieur, Bordeaux le fut passé un temps, moi, c'est plus dur, mais ça va revenir certainement, des villes qui sont nettement moins. Mais vous n'oubliez pas que vous avez toujours autour de 64% de franchouillards, hein, voilà, grosso modo, qui font quand même le gros. Voilà, pour rester poli. Après, je ne sais pas quelles peuvent être les questions, mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, hein. J'espère que j'ai répondu à peu près rapidement au parcours, hein. Pour avoir vécu un peu ça, vaut mieux prévoir quand même de réaliser pour le reste de sa vie ou pour une grande partie de sa vie un métier qui plaît. Voilà. Parce que c'est pas évident de travailler dans quelque chose qui ne plaît pas. En général, ça ne tient pas longtemps. Ensuite, pour ce qui est, je vais revenir un petit peu à la première question. Pour le Covid, oui, ben, la situation de tourisme est plutôt compliquée, hein. C'est pas facile pour les guides, hein, parce que j'ai pas eu le temps de m'étendre sur le sujet, mais on a des tas de profils particuliers. Il y en a qui faisaient plutôt des croisières, donc des anglophones, hein, voilà. Moi, j'ai fait des croisières aussi, mais c'était pour les francophones, c'était avec Croisi Europe, à la grande période. Il y en a qui sont, c'était viticole, d'autres qui sont plutôt spécialisés sur le secteur historique. Il y en a quelques-uns qui ont le même profil que moi, quand même. Et au final, ben, c'est vrai que c'est un monde un petit peu où on est à la fois un petit peu déjà à la base concurrent, mais sans l'être. Autrement dit, comme on n'est pas nombreux, on serre un peu les coudes, d'où les associations, etc. On a un petit syndicat qui s'est créé, etc. Mais bon, quand même, pour s'en sortir, il faut vraiment avoir un petit point précis où il n'y aura personne qui viendra vous chercher. Voilà, pour rester poli. Alors, pour revenir, pour se renchérir à ce qu'elle a dit tout à l'heure, oui, évidemment, si vous êtes à l'accueil d'un office du tourisme, si vous ne parlez pas langue étrangère, c'est très compliqué. Je vous rassure tout de suite, mon profil n'est pas le plus répandu, hein, voilà, mais c'est bon. J'ai pris un virage de telle manière que je me suis hyper spécialisé dans un secteur où je n'ai pas beaucoup de concurrents. Donc voilà, ceci explique cela, mais j'aurais pu prendre autre chose comme spécialisation. Donc, ensuite, ben, déjà, autre chose dans le boulot de guide, il faut déjà, la base, c'est de bien connaître son sujet.
Alors, je ne vais pas évoquer les free tours, les machins, les concurrents indirects, plus ou moins autorisés, pas vraiment chassés, ça c'est notre histoire. Voilà, même si on a des privilèges, nous seuls, théoriquement, ceux qui sont cartés avons le droit de guider dans les musées, etc. Même si, bon, chacun fait un peu à sa sauce pour des raisons financières, des fois. Ça c'est notre histoire aussi. Mais connaître son sujet, c'est primordial quand même. Que même si vous faites de l'anglophone, même s'il n'a pas la culture française de base, entre guillemets, si je compare les gens qui viennent me suivre en visite et celles ou ceux des collègues qui font les anglophones, moi je ne suis pas obligé d'expliquer ce qu'est un intendant. Ils vont comprendre tout de suite. L'anglais, vous lui dites intendant, il comprend rien parce que ça n'a pas la même signification, par exemple. Donc c'est un métier qui a une formation de base, mais qui a des spécificités qui ne se rejoignent pas au final. Donc le métier de guide, il est très complexe, très multiple. Le tout, pour achever un petit peu cette rapide explication, c'est de trouver sa voie. Voilà, si vous voyez que, comme moi, la langue vous intéressez complètement et que vous ne supportez pas une certaine catégorie de clientèle, d'autant plus, inutile d'aller chercher et rester longtemps et vous développer autre chose, vous êtes plus fort. Bon, moi, c'était pas trop dur, histoire, archive, machin, ça a été vite fait, hop, hop. Bon, et bah, petite histoire amusante, j'ai un père qui était dans le notariat et j'ai ma mère qui était artiste peintre. Donc, j'ai toujours un peu sur la corde raide pour rester poli, mais bon, ça correspondait à mon caractère. Mais si vous êtes plus doué en langue, peut-être dirigez-vous plus vers un métier où vous utiliserez vos langues, quitte à être guide pour une certaine partie clientèle. Alors évidemment, on est obligé de revenir au Covid. Pour le moment, c'est pas la joie et la bonne humeur. Je pense que c'est plutôt mon secteur qui repartira en premier. C'est bien compréhensible, mais ça devrait repartir un jour quand même. Et le tourisme de masse qui devrait disparaître, non, il ne disparaîtra pas. Il va se transformer, il va s'adapter. Parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il provoque aussi beaucoup de dégâts, hein, voilà, notamment sur certains sites, la conservation, etc., la qualité des visites aussi. C'était un peu du n'importe quoi, il y avait des fois. Donc, il y a des choses à reprendre. Autre chose à savoir, c'est que le métier de guide demande une grande disponibilité. Vous n'êtes pas dans un bureau. Voilà, c'est simple, hein, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer tout à l'heure, mais vous devez être à 8h, 8h30, tapante à l'hôtel. Vous finissez à pas d'heure, donc vous oubliez souvent, voilà, tant que le métier, tant que c'est pas fini, vous n'êtes pas rentré, ben vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas chez vous. Si bien qu'il y a des fois, ça peut poser quelques problèmes hein, quand on prévoit des choses et qu'on ne peut pas le faire. Les week-ends, vous l'oubliez aussi. Théoriquement, si vous tournez, les week-ends sautent. Quant aux vacances, si vous n'êtes pas dans une structure assez importante, et eh bien là, vos vacances, ben vous les posez à l'avance, c'est très très compliqué parce que les mois de vacances, c'est quand même là où c'est assez tendu, avec certains mois comme septembre et voire même octobre. Il y a une belle saison en général. Bon, cette année, c'est un peu exceptionnel, ça n'a pas vraiment existé. Donc, c'est un métier compliqué où il faut se donner à fond, où il faut être compétent. Donc, au final, ça a un petit côté, on va dire, de vacances, hein. D'ailleurs, certains nous croient toujours qu'on n'est pas diplômés, hein, pour rester poli, mais ils sont de moins en moins, heureusement pour nous. Mais c'est un métier exigeant. Donc, avant de se lancer, il faut bien réfléchir aux contraintes et au bon côté. Ceux qui font des voyages sur 2, 3 jours, ils sont logés à l'hôtel et bon, bah, on est obligé de s'occuper un peu des clients, mais après, vous faites ce que vous voulez et vous les prenez que le matin, par exemple, voyager en même temps. Donc, il y a à la fois les aspects positifs ou négatifs. Voilà, donc il faut bien mesurer le pour et le contre. Enfin, dernière chose, pour la vie de famille, être guide, c'est pas top quand même. Hein, c'est pas. Voilà, il faut, si vous êtes deux, il faut qu'il y en ait un qui s'occupe quand même, si vous n'êtes pas présent, de l'intendance. Hein, donc, que ce soit l'homme ou la femme, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, c'est un métier assez particulier. Voilà, mais bon, très, très agréable au demeurant. Et ceux qui veulent le faire, ben, ne vous inquiétez pas, ça va bien repartir un jour. Hein. La folie Covid ne va pas durer toute la vie, on espère. Hein. Sinon, je serais mal bien avant, au niveau financier.